Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens d'arriver au pré et je suis rouge comme une tomate, j'ai pris un coup de soleil énorme, tout mon corps. Bref, aujourd'hui on va aller faire une balade avec les deux chevaux et c'est Angèle qui nous accompagne. Je crois pas que j'avais filmé, mais Angèle c'est une abonnée qui m'avait hébergé lors du concours de Saint-Jory, je vous le remets dans le petit ici. Et enfin bon, c'est sa maman. Et voilà, il y a eu un drame familial il y a pas très longtemps pour eux. Et du coup, sa maman m'a contactée pour que j'envoie un petit mot à Angèle. Et je lui ai proposé de venir faire une balade. Alors ils sont pas à côté puisqu'ils sont à 2h, 2h30 de Bordeaux. Mais du coup, voilà, on va essayer d'aller changer les idées d'Angèle. Voilà, c'est le programme de la journée. J'espère qu'elle sera contente. Je leur ai donné rendez-vous pas très loin pour qu'on puisse faire le tour du lac. Et c'est parti, moi je m'occupe de charger les chevaux. Et après, on part les rejoindre. C'est parti. Quantum, le masque anti-mouche, ça sert pas à ça. Ça fonctionne pas pareil. Il y a un problème. C'est des bêtises, ça, hein. Regardez-moi ça. Mais comment t'as fait pour le passer là? Hop. Oh, tu vas le défoncer. Hein. Les affaires sont prêtes pour tout le monde. J'ai pris les brosses pour qu'Angèle puisse brosser sa fille. Et on va aller chercher les poulets. J'ai pris des ravitaillements. Et ils ne doivent pas être très très loin. D'ailleurs, après quand on reviendra, il faudra que j'ouvre un des prés au fond. Parce que là, ils n'ont plus d'herbe. Mais là, il est même pas 10h, il fait déjà 25 degrés. C'est pour ça, de base, on devait faire la balade cet après-midi. Et j'ai envoyé un petit message à Carole dans la semaine en disant qu'en fait, ça serait bien qu'on fasse ça le matin pour les chevaux, pour pas qu'ils aient trop trop chaud. Allez, on y va? Allez, qui veut aller faire une balade? En tout cas, vous, vous êtes invités. Et vous aussi. Ils sont deux, donc... Le Safou et le Quantum attachés. Et attendez, on va déjà fermer ça. Que j'oublie pas. Hop, et le numéro 2. C'est parti. Allez mon pion, il faut juste que je te baisse la barre de queue. Hop, et que je vais mettre en mode enfant. Voilà. Très très bien. Il t'a accueilli avec les honneurs là-bas. Parfait. Allez, je suis bien arrivée. Donc on s'est garé dans le sous-bois. Il sort que déjà il fasse un peu moins chaud. Même si après on va aller au lac. Hop. Ça va les garçons? Ne pas faire la bêtise. Il faut que je détache Quantum et Saphir. Hop. C'est bon. Je vais descendre ça, Fran Frams. Alors que je t'enlève ce masque. Non. On descend bien. Presque. C'est nul. Mais on accepte. Hop. Bonjour. Oh, ça coince. On va pas tirer. Bonjour, Minous. Ça va? Et le petit chat, j'arrive. Allez, go, mon pion. Non, 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 non. Toi, tu descends très bien, normalement. Donc, on ne prend pas, pour exemple, Saphir sur ça. Il y a plein de choses, c'est OK. Mais alors, certainement pas pour ça. Quand on recule. Recule. Qu'est-ce que t'as vu? Allez, recule. Quantum. Merci. Bon, je les ai attachés tous les deux au même... Merci, Quantum, pour ça. Au même anneau, si vous vous embêtez, il y en a un qui part derrière. Je vous avertis d'avance, pas de chamaillerie. Je vous dis, ça arrête à chaque fois que je filme. C'est bon, il y a Angèle qui nous a rejoint et elle travaille. Là aussi, il va être content. Ça, je te dis, c'est son endroit préféré. Allez, on est parti. C'est quoi tes premières impressions? Ça va. Il est confort? Oui. Bon. Ça fout, il va être en mode cheval de club de toute façon. Il va se mettre derrière, il va pas réfléchir.
On n'a jamais vu tout ça, nous, là. Quand on... Va toucher. Oui. Très bien, ça pue. Quantum. Touche. Très bien. Bravo. Allez, go. Ah, c'est très beau, hein, ce lac. Hein. Allez, mon chat. Très bien. Oui, bah oui, mais les gars, faites un effort là-bas, s'il vous plaît. C'est bien. Allez, go. Oh, non, non, elle est bonne. Ouais, ouais, elle est bonne. On réouvre les canards, qui espère. Bon là, il y a plein de choses qui font peur hein, pour Quantum, parce qu'ils sont en train de monter un parcours de je sais pas quoi. Du coup, là, il est aux aguets. Et Safou, il suit derrière tranquillement. Safou, tu sais ce que ça veut dire? Plus de sel. Piscine. Et toi, on garde la selle, nous, hein, parce qu'il a jamais fait d'accru, lui, alors... Et tu vas te baigner avec la selle, toi? Ouais, c'est pas grave. Je graisserai. Des bisous. Oh. Il va pas partir. On dirait il panique, mais non. Tiens-toi. En plus, ça commence à être mort de rire, ce mort là.
fais souvent ça avec eux. Avec ça. Allez, lui va faire voir du coup qu'il a un peu de bois. Bon, ça y est, la balade est finie. Tout le monde a été très mignon, donc c'est chouette. On va rentrer au pré. Peut-être les shampouiner, je sais pas. Il fait quoi comme bêtise, lui, là-bas? Il a faim. Mais c'était chouette. Alors là, des ongles dans des crins. Oh là là. Ah, bah attends, il y a quand même la banane. ça, c'est cool, hein. Toi, je pense que tu en as déjà eu. Ah oui. Mais lui, il réclame tout le temps. Tiens, je peux lécher les mains. Non. Allez, Zou. Ouais. T'as pas visé là. Mouche, oula. Allez. Allez. Quel chameau. Allez, Saf. Il a un temps sur les fesses. Parfait. Tu lui mets la barre. Et la petite douche parce qu'il fait chaud. Il fait 28 là. Tu perds le truc pour tes tontons? Là, il n'y a pas besoin, on n'a rien fait de spécial. Tu suis les vidéos, c'est bien. Hein, la bête. Il mange couché. Ouais, bah écoute, la feignasse. Il a raison, hein, en vrai. Il a fait son effort. Bon, il y a Angèle qui a couché le poney. Et regardez-moi ce gras du bide là qui mange en étant couché. Il est mignon, hein. Allez, on va aller ouvrir un des prés. Parce que là, comme je vous disais, ils n'ont plus rien à manger. Donc, on va leur faire ce petit plaisir. Il y a Mirabelle. Ah, bah, tout le monde est quasi là. Parce que Saphir, il ne voulait pas suivre. Mais j'ai une bonne surprise. Donc, je serai eux, j'arriverai. Bon, je suis allée chercher une pince coupante. Parce que, bon, une vieille pince coupante. Mais en fait, j'arrive pas à enlever le fil qui a été mis, le fil de fer. Et ils sont tous là-bas en train d'attendre. Mais je peux pas. Et on a pris le panier pour Mirabelle aussi. Mais il faut le cacher parce que quand elle va voir ça, elle va pas être contente. Mais là, c'est pour sa santé. Donc c'est pour elle. C'est pas très marrant. Mais Saphir, il est sur la sellette chaque année. Mais c'est pas impossible qu'un jour lui aussi il ait un panier. Allez, McDo. Eh ouais, mais c'est la hiérarchie. Mais Quantum, c'est là. Allez. Quantum, des fois, je me dis qu'il est gentil, mais il est pas très, toujours très fut-fut. Allez, Zou! Ah, ils sont...
Lui, c'est le plus actif de tous. Hein. Allez, bon app, hein. Ouais, je prends aussi un McDo. Grave, tout le monde au McDo aujourd'hui. Saphir, doucement mais sûrement. A few moments later. On se retrouve quelques heures après, puisque là on est en fin de journée et je suis de retour au pré, puisque vous l'avez vu ce matin, on s'est baigné. C'était la première baignade de l'année et en vrai c'était très plaisant parce qu'il faisait déjà chaud. Et par contre, moi et Quantum, je me suis baignée avec ma selle de dressage, puisque je n'ai encore jamais monté Quantum à cru. Et comme on sent, ça c'était pas le moment de monter à cru au lac comme ça, sachant que quand on est sans selle, on peut gêner un petit peu plus, ça peut le chatouiller. Enfin, je sais que Saphir, il a mis du temps à bien accepter le à cru. Et du coup, à mon sens, Quantum, c'était pas le moment de le faire. Donc, je me suis baignée avec ma selle de dressage et du coup, elle a pris l'eau. Et donc il faut que je graisse, voilà, je déteste faire ça, mais il faut. Je voulais aussi vous montrer le joli petit cadeau que Angèle m'a fait. Alors attendez, j'ouvre et je vous montre. Il s'agit d'un petit bracelet comme ceci. Hop, je vais le mettre et je vous montre. Voici ce que ça donne, il est très mignon et en plus je sais que du coup Angèle elle l'aime, donc c'est trop cool. D'ailleurs elle avait ramené plein de choses pour les poneys, notamment des bananes, donc ça je leur en donnerai demain. Il y a des carottes, je vais enlever ça pour que ça tienne, sinon elles vont pourrir. Et on va aller leur en donner à tout le monde là parce qu'ils sont dans le pré et on va aller voir comment ils vont. Bon, vous avez vu rapidement ce matin, mais on a donc ouvert cette partie là, et regardez-moi toute l'herbe qu'ils ont. Je pense qu'ils sont bien contents. Ça va les mecs? Alors par contre moi là, pour marcher, pas facile dans toute cette herbe. Hello mon piou. Ça va mon petit chat? On a fait la première baignade de l'année ce matin, c'était chouette. Super, tu fais caca, je te fais chier quoi. Ça va Mimi? Ça va ma beauté? Il y a toujours beaucoup de mouches. Hein. Ça, c'est pour Ghost et Mira. Et on dit merci Quantum pour la compote. Sympa. Oh non, il va me lécher, il va tout me salir. Petit porc. Espèce de Pumba. C'est cool, hein, toute cette herbe-là. Mais mollo, hein. Il faut le summer body pour la motte. C'est dans un mois, mon minous. Et toi, il n'y a pas la motte dans un mois, mais on a un joli petit bidon quand même. Écoutez, il vaut mieux donner envie que pitié. Hein. Et puis bon, entre nous, hein, comme si moi, je pouvais leur donner des leçons sur le summer body. Rien du tout. Mangez les gars. Allez, on va graisser cette selle avant que je tombe dans cette herbe aussi haute que moi. C'est marrant, hein, mais là, il n'y en a aucun qui m'a suivi vers les abris et la sellerie. Je comprends pas pourquoi. Ils veulent pas le pommet de carotte. L'herbe leur suffit, là. Oh, par contre, j'ai vu que tout à l'heure, Mirabelle avait chié dans le box. Comment je sais que c'est Mirabelle? C'est simple. Les crottins sont énormes. Et je sais que les trois autres, ils font des crottins tout à fait normaux, de taille normale. Et que Mirabelle, à chaque fois, c'est des crottins de dinosaures. Bon, alors autant j'avais laissé un tapis dehors, la sangle et ça tout est sec. Par contre ma selle elle est encore humide, donc je vais la glycériner. Je vais pas la graisser parce que si je mets la graisse ça va enfermer l'humidité dedans. Pas cool ça. «
viens de voir sur le filet de saf qui me manquait des strass, notamment un ici et un là. Et en fait, j'ai déjà... Pourquoi c'est flou ? Voilà. En fait, j'avais le même frontal... Eh bien, il veut pas faire la mise au point. L'iPhone, voilà. J'ai le même frontal pour Quantum qui en avait déjà perdu. Et du coup, je vais piocher des strass ici pour compléter celui-là. J'ai chaud. Ah, je vous jure, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être le plus beau ? Une clavette qui est pétée là. Ben. Bon, vu que j'attendais que ma selle sèche pour voir si je graissais, j'en ai profité pour replacer. Mes petits médaillons. Hop. Avec marqué ça fou. J'ai trop galéré à les mettre. Alors que la première fois, j'ai pas eu de problème. Mais là, j'ai bien galéré. Et sur l'autre, il y a marqué Pew avec derrière une planète. Et j'ai mis la muserolle allemande sur mon filet SD Design. Ça, c'est un frontal de chez Sapristouche qui brille de mille feux, comme vous voyez. Et en fait, je préfère cette tétière-là parce qu'elle est bien rembourrée et elle est très ergonomique. Donc voilà. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas à quoi sert la muserolle allemande, c'est principalement pour lui caler le mort. Parce qu'avec la muserolle française, déjà moi je ne sers pas, il le faisait beaucoup trop bouger. Et en fait, il se mettait sur une défense et c'était très compliqué. Et en tout cas, la dernière fois où j'ai essayé la muserolle allemande, j'ai vraiment senti que le mort ne bougeait plus tout le temps. Et ça l'a aidé. Alors on verra comment ça se passe à la suite des séances. Mais là tout de suite, c'était plutôt pas mal. Voilà. C'est principalement pour ça que je le mets. Encore une fois, je ne sers pas la muserolle. La muserolle n'est pas sur le bout du nez pour l'empêcher de respirer ou je ne sais quoi. C'est pas à ça que ça sert. C'est principalement à ce que le mort ne bouge pas tout le temps dans sa bouche. Pour pas que ça le gêne et que ça le fasse mal. Bref, est-ce qu'elle elle est sèche ? Oui. Alors pas trop le dessous, mais par contre le dessus elle est bien sèche, donc je vais pouvoir passer un petit coup de graisse. Mettre des gants quand il fait 30 degrés, c'est pas facile. Ça c'est fait, elle est toute graissée. J'ai mis le paquet pour que ça absorbe bien. C'est pas plus mal que je l'ai fait ce soir, même si je déteste ça. Faudrait que je rachète de la graisse pour ma selle mixte. Mais ça c'est fait. Bon, c'est accompagné de tous les chevaux, parce qu'il y a même Ghost ici, que je vais arrêter cette vidéo. Il est 21h, il est temps pour moi de rentrer pour aller à ce fameux anniversaire où je suis grave en retard. Bref, j'espère que cette journée vous aura plu. Moi, je suis très contente d'avoir passé cette matinée avec Angèle et Carole. Et j'ai oublié le nom des deux autres personnes qui étaient là, désolée. Saphir qui veut pas qu'on m'approche, hein, Mimi. Ouais, c'était assez chouette parce que comme je vous le disais en début de vidéo ce matin, voilà, c'est pas une très bonne période pour eux. Voilà, il s'est passé quelque chose de dramatique dans leur vie. Et si je peux aider un petit peu et être là pour eux et changer notamment les idées d'Angèle, bah écoutez, ça me fait plaisir. Même si j'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances. Mais bon, en tout cas, j'espère encore une fois avoir pu lui changer ses idées le temps d'une matinée. Et elle avait l'air contente et Saphir a été beaucoup trop mignon, et cette petite chose aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est chouette. Et c'est aussi ça, l'aventure YouTube et Instagram. Hein. Vous n'êtes pas que des nombres de vues pour moi. Quand on peut se rencontrer, c'est trop chouette. Et Carole m'avait hébergée pour le concours de Saint-Jory avec Saphir. Et voilà, ça me semble normal de pouvoir aider à mon échelle quand je peux. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.